Salut à tous, bienvenue dans le Lost in Lost 6, un Lost in Lost spécial, mon cher Plax, parce un Lost in Lost spécial Super Bowl, parce que le Super Bowl, eh ben, ça s'est joué il y a 15 jours, et du coup, nous, on a un peu un décalage horaire. Un peu. Du coup, même plus que ça, plus que 15 jours. Mais c'est surtout que t'as découvert que chez moi, il y avait un casque et des épaulières. Et dit. Ça, c'est cool. Et il y a même un ballon. Alors, je monte, il est là. Et donc, hommage au Super Bowl qui a opposé les Ravens de Baltimore aux 49ers de Nashville. Je me demandais ce que ça allait sortir comme... Mais on s'en fout d'où ils sont les 49ers, ils ont perdu de toute façon. Ouais, mais ils sont à San Francisco. Quand même. Ils sont à San Francisco. Ouais. Qui c'est qu'il y a à San Francisco? Tu vois ta mère, non? Alors, et ben dans cette VOD Lost in LOL un petit peu spécial, nous sommes chez Plax. Et c'est Plax qui va donc jouer. Et moi, je vais essayer de le coacher, lui expliquer un peu les rudiments du jeu. Alors, Plax, tu vas jouer ton personnage fétiche à nichon, c'est-à-dire H. Ouais. Puisque à Roubignol, c'est Garen. Personnage fétiche à Roubignol, c'est Garen avec la grosse épée. Et ouais, H, je l'aime bien. En ce moment, j'ai fait des bons scores, donc on va voir ce que ça donne. J'arrive pas à tourner la tête, tu vois. Ouais, je sais, c'est dur. Mais t'inquiète, on ira faire quelques passes après, tu verras la difficulté. Cool. Bon, là, il faut quand même savoir qu'il est 2h du mat et on est en plein Paris. Donc on ira peut-être pas faire des passes dehors. Donc, si vous voulez nous rejoindre, on vous donne le nom de la rue, vous venez faire, on fait un foot américain géant, voilà. Ça pourrait être cool, avec 30 personnes dans la rue. Ouais, ça serait génial. Lançons la partie, mon cher Plax. Alors, on va enlever la caméra. Quoi que ça serait drôle, quand même. On peut pas, dit Plax, il veut vous censurer, les amis. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, Plax, c'est un petit peu le maillon fort de l'équipe sur LoL. Par contre, sur notre nouvelle VOD qui s'appelle Lost in HOTS, le maillon fort, on peut le dire, c'est moi. C'est moi, mec. Ok, ouais, c'est vrai. C'est moi le maillon fort. C'est vrai. Et t'es encore du niveau rattrapé, même si t'es au niveau combien toi LOL déjà? Niveau 17, 18? Je sais plus. Ouais, t'es ok, t'es largement derrière moi, t'as déjà 50 victoires et tout, moi j'en ai que 20 peut-être. Ouais. Mais bon. On lance cette game avant que les gens s'endorment. Ouais. Allez, et que le meilleur gagne. Allez, non, tu te pousses un peu, tu me laisses reprendre ma place. Et je peux enlever le casque parce que ça me fait mal à la tête. Ouais, tu peux si tu veux. Comment ils font les mecs pour garder ça pendant 3 heures pour un match? Bah, je sais pas. Putain, c'est les guerriers, hein. Putain. Moi j'ai fait du tennis. Je l'ai fait pendant quelques temps, tu sais. J'ai fait du tennis, mec, on se faisait pas chier avec tout ça. Alors, Plax jouait au football américain. Ouais, c'est une bonne. Alors, il est. Et alors qu'on pourrait croire. Géologue, que... géographe, et il joue au foot américain. Alors, on pourrait croire que physiquement, bah c'est moi qui joue au foot américain. T'as clairement la carrure. T'es le mec stock de l'équipe. C'est clairement toi qui carry les matchs de foot américain, d'ailleurs. Ouais, allez, tu lances la game, on va venir des carrés. Ouais, c'est en train de lancer, regarde, il faut 50 secondes pour que ça parte. C'est quoi le dossier Bigby Topless sur le bureau? Je sais pas, mais chut, c'était un truc secret, il fallait pas que les gens le voient. Ah merde. J'ai pas réussi à l'enlever, donc je l'ai laissé. Ouais. C'est un dossier qu'on vous partagera si vous êtes sage. Si vous le demandez, on peut vous l'envoyer. Ça coûte cher par contre. Ah ouais, ça c'est. On risque de perdre notre place alors. Alors que t'as vu, j'ai ma petite... t'as noté tous tes petits trucs là? Bah ouais, je note mes BO, mec. Ça, je suis sûr de pas me planter. Ah, j'essaye, hein. Ouais. Je suis pas sûr de les faire bien comme il faut, mais. Bon alors, il la trouve cette game. Donc, écoutez, merci de nous suivre. N'hésitez pas à nous donner des conseils hein, sur comment arrêter d'être aussi mauvais. Alors, j'ai pu lire dans certains commentaires que vous pensez qu'on fait exprès. Eh ben, le pire, c'est qu'on fait même pas exprès. Non, mais il y a toujours le fait qu'on a joué beaucoup de personnages différents. On va peut-être essayer de faire une game un jour. On jouera tous les deux notre main, voir ce que ça donne. Ouais, t'as trouvé si une game. Si on la joue vraiment à fond. Alors, la dernière VOD, on était avec la pauvre Léonie. On s'est fait, mais complètement gigaré. Oh, t'as pas de perso, mec? Mais non, j'ai pas de perso. Bah attends, un salaire géomètre. Alors, vous voyez la différence entre quand vous voyez l'écran de Kerr d'habitude, qui est à peu près 26 persos. Combien de persos en tout? Quand au moins 40, 50. Et t'as pas de skin? Mais non, j'ai zéro skin. Et pourtant, celui-là, il fait tellement envie. Ah ouais, bah moi je l'ai, hein, celui-là. J'aimerais tellement. Sérieux? Bah putain, bien sûr, je suis tellement jaloux de toi. Alors, mon compte, vous le voyez là, balancez-moi des Riot Points. Je pourrais m'acheter le mec qui magnifique skin. Putain, j'en peux plus du casque et des épaules. Enlève-le, mec, t'inquiète, personne te voit, la caméra est coupée. Ouais, mais c'est juste pour le principe. C'est pour le principe d'avoir une VOD avec un casque. Alors, dans l'émission Miskin, j'avais déjà fait une partie de SC2 avec un casque de Dark Vador. Et ce skin là, où elle est en reine. Là. Et d'ailleurs, il y avait une nana. Il y en a des nouveaux tous les combien des skins? Il y avait une. Il y a pas longtemps. Il y avait une cosplay de Ash en reine comme ça sur A Tale of the Lane. Elle était vraiment sublime. Celle-là, elle est cool aussi. Celle-là, j'adore. Et je pense que j'aurais épousé si elle m'avait dit. Épouse-moi. Les 4 premiers, c'est le plus stylé. Ceux-là, j'aime pas. Ouais, je m'en fous, je regarde ceux que je veux m'acheter. Mais t'as pas de sous de toute façon. Celui-là, c'est le plus stylé. Si tu veux des sous, mec, faut être prof. Faut être prof, ouais, c'est vrai. Prof de poney. Comme toi. Je suis pas prof de poney, mec. Mais si.
Que les gens le sachent un peu, que tu donnes des cours de poney. C'est... Bah arrête de dire ça, les gens vont croire que je fais des cours d'équitation, on va me demander. N'empêche que j'ai fait l'équitation. Chez Agwan School, ils donnent des cours d'équitation. Alors si vous voulez un bon cours d'équitation, n'hésitez pas à manger des barquettes de lasagne Findus, bien évidemment. Bot, tu vas au bot, mec? Le mec il dit, ouais, le mec il dit have fun et don't go AFK, ouais, super, t'sais. Oh là là, cool. On va gagner. Allez, moi les deux dernières parties que j'ai fait, j'ai vraiment mais surdominé le truc. J'ai fini combien, je t'ai dit? Oh, 9-0. Putain, et... j'arrive même pas à l'enlever le casque. Mais si, t'inquiète. Mais non, ça me coince le nez. Je te jure, il y a mon nez qui est coincé dans le truc, en, le grillage là. Mais comment ils font les footballeurs américains? Moi j'ai chaud. Mais je cours même pas, je suis assis sur une chaise. Mais ils ont chaud pendant les matchs et tout, c'est comme ça, mec. C'est ça. On est des vrais hommes, c'est ça le sport. C'est ça, les... c'est ça le sport, c'est l'effort physique. Exactement. Mais moi je fais pas d'effort physique sur en dehors d'amis, mec. Tu te vantes un peu par contre. Hein. Oh, non, n'importe qui peut faire du sport physique dans un lit. Suffit qu'il installe un rameur sur son lit. Et bim. Ça marche. D'ailleurs, c'est quoi ce rameur sur ton lit? Il est chelou. Ouais, c'est pour faire du sport sur mon lit. Alors par contre, j'ai gardé les épaulettes quand même, les mecs, parce que j'avais envie d'être... Tiens, ils ont d'avoir des épaules, un personnage là. Football américain dans le jeu, il n'existe pas. Ou un skin, ça doit exister, ça, par contre. Ah si, il y avait Katarina qui avait un skin d'arbitre. Ah oui, avec les bandes en blanc et noir. Ouais, et il y a une autre, j'ai oublié le nom, qui avait un skin de footballeuse. Est-ce que Annie, elle est, en ce moment, elle est parmi les personnages gratuits, enfin jouables, parce que je la vois dans toutes les games. Et Poppy aussi. J'en sais rien. Mais ils ont refait son skin, Annie. Et Xin Zhao aussi. Ouais, Xin Zhao, il est... Lui, il est partout. Et mec, lui, il est sûr fort, quoi. Chaque fois que je l'ai avec moi dans mon équipe... Putain, mais c'est marrant, j'ai voulu faire une game tout à l'heure, j'avais Fiddlestick et déjà les mêmes mecs avec moi. Jana, toi, c'est celle que t'as pris, que t'aimes bien, tu m'avais dit. Physiquement? Non, que t'aimes bien jouer avec. Ah non, physiquement, j'aime bien, mais jouer avec, non. Est-ce que c'est celle avec laquelle tu t'es fait complètement rape? Non, c'est Léona. Ah, c'était Léona, c'était... J'ai été beaucoup... beaucoup choqué par cette partie avec Léona. Alors qu'on avait Léonie la dernière fois. Oui. T'avais pas fait le rapprochement. Non, pas du tout. Et cette game d'ailleurs avec Léona, on l'avait gagnée grâce à Killis qu'on salue et qu'on retrouvera très bientôt dans le signal. Ouais, sûrement, ce serait cool. Killis, si tu nous écoutes, reviens nous voir, aide-nous à gagner des games. Voilà. Et on le fera probablement dans le dans la VOD Topless. VOD Big B Topless. Alors bien évidemment, c'est une VOD où il n'y aura pas de webcam. Normal. On vous assure qu'il sera topless derrière, par contre. Moi, je serai topless, hein. Ça, je peux vous l'assurer. Est-ce que tu vois tout mon skill déjà que tu vois, je chauffe ma souris. Tu chauffes ton APM et là, on a tous envie de vomir. Alors, en face de toi, tu as Riz, Morgana, Poppy, Annie et Warwick. Alors, ne me demande pas qui tu vas voir au bot, j'en ai foutrement pas la moindre idée. L'autre fois, Warwick, Noah avait l'air de dire qu'il était moins fort qu'avant. Je sais pas pourquoi. Annie, elle me fait zéro peur avec H, je la démonte à chaque fois. Donc, à moins qu'elle joue super bien, peut-être que je suis tombé contre des Annie pas fortes, mais. Et Poppy, elle ressemble à rien, très clairement. Mais alors. C'est mal, hein. Ah, bah, je sais pas, mais elle est vraiment trop moche. Ah, tiens, décale-toi un peu, mec, faut que je sois bien devant mon écran. Tu veux que je m'en aille aussi, par exemple? Ouais, je veux que bien que tu sortes, t'ailles dans la pièce d'à côté, tu commenteras de loin comme ça. Ah! Ça peut être cool. Hop. Et là, en fait, tu prends trop de place avec les épaulières. T'es horrible. Le truc qui te gêne, c'est les épaules, hein. Ah ouais, mais c'est ça d'avoir un partenaire de LOL qui est costaud, qui a des épaules. Putain, j'aurais dû ramener mon deuxième casque, on serait mis des coups de tête dans le... Oh putain, ça aurait été trop cool. Bah ouais, mais je l'ai pas avec moi, là. Mais sinon, tu gardes ton casque Razer et moi je mets le casque de foot américain. Ah ouais, c'est une bonne idée. On fait un coup de tête. Pourquoi t'as pas pris les bottes et les trois popos? Parce que moi je prends la lame de Doran, je suis un ouf. Mais non, faut prendre les bottes et les trois popos, non? Il a dit, tu prends toujours les bottes et les trois popos. Qui a dit ça? Noah de Chipsiano. Moi je l'écoute pas. Mais il faut toujours écouter Noah de Chips & Noah, mec. Il commente la saison 3 sur Ogaming TV tous les samedis et les dimanches, de 18h à 22h. Non, ça n'est pas de la pub cachée. Ça, c'est vrai. Non. Absolument pas. Elle n'est pas du tout cachée. Elle n'est pas cachée du tout, elle est obvious. Elle est là, boum. Tu l'as pas vu venir et tu l'as pris dans les dents. Et alors, tu as fait quoi comme ça? Eh ben, c'est quoi? Je sais pas, est-ce que mon explique trame un peu? Non, c'est pas grave, ça? Non, on s'en fout, mec. Ok. Alors, j'ai pris quoi comme ça? J'ai pris le sort. Ah oui, par contre, le sort, je sais pas dans quel sens les faire. J'ai pris le sort des flèches qui ralentissent les ennemis et ça c'est cool. Parce que ça c'est vachement utile, en plus ça balance pas une volée de 5 flèches. Ou ouais, tu joues bien, tu meurs pas comme moi au début de la game. Donc tu peux me donner des conseils, hein, n'hésite ouais. pas. Hein. Bah si tu vois 3 ennemis en face de toi et des sbires, tu vas. Ok, cool. Ça marche. Lui c'est quoi, c'est qui que j'ai avec moi? C'est Graves. Et vous êtes exactement pareil. C'est-à-dire? Bah vous êtes... me demande pas, mais je sais que vous êtes exactement pareil.
On tire de loin et tout. AP, AM, non. Non, attends. Carry c'est machin. AD. Moi je suis carry quelque chose. AD, AP. Ça doit être A. Oh merde, j'en sais rien. Boum. Bien, ça commence. Un quart de sa vie, mec. Franchement, elle est trop violente en début de game, H. C'est ouf. Regarde tout ce que je lui ai fait perdre avec juste une volée de flèche, mon gars. Putain, mec, avec les épaules, je me sens un autre homme. Vas-y, fais mal. Boum. Oh, bien joué. Elle aussi, elle me fait mal. Non, elle t'a juste immobilisé. Alors, t'as Warwick. Bah, tiens, on a Warwick avec nous. Et ouais. La nana, c'est Morgana, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Nous devons continuer. T'as eu mes APM de ouf. Allez. Vas-y. Oula, vas-y, il a lancé là. Boum. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Comment j'ai esquivé le sort. Ah, mais vous faites mal là, tous les deux. Alors, Grève, je sais, c'est un très bon à son poste. Me demande pas lequel, je sais pas si c'est AD ou AP. Alors, j'essaye de choper les bébés quand ils ont presque plus de vie, mais tu vois, c'est pas évident. Putain, je viens de louper d'ailleurs. Alors, il faut taper. Oh, les salauds. Il faut vraiment taper qu'au moment où tu veux faire le coup. Ah, bien joué là. Oh, dis donc, on a pas le temps de taper des billes parce qu'ils sont ultra agressifs avec nous. Mais c'est pas grave. Allez, voilà. Vous allez finir par les tomber. Deux, bien joué, bien joué. Allez, on continue. Allez. Oh, mais lui, pression, il va se faire tuer le Warwick là. Oh, il va se faire tuer le Warwick. Ah non, elle me saoule, elle me fait. Non, recule. Allez, ne te mets pas en difficulté. Joue safe. Tu vois, le problème quand j'ai pris ma lame de Doran, c'est que j'ai pas de popo dès le début. Bah oui. Ça, c'est un petit problème quand même. Ça, c'est une remarque intelligente. Ouais, je sais. Oh, regarde, elle a immobilisé un sbire. Je pense que en face ils sont très nuls. Elle a immobilisé un sbire et le Warwick a failli crever. Et qu'est-ce que je fais? Oh là là, j'ai fait une bêtise. Panique. Panique à bord là. Ah ouais. Et mais là il se donne là le Graves. Il donne son corps à la science. Oui, vas-y, oui. Ouais. Oh là là, je vais l'avoir, le tuer. S'il bug pas immédiatement, je le tue au prochain. Ouais. Allez, c'est moi qui l'ai. Non. C'est pas toi. Mais j'arrive jamais à voir les gros, moi. C'est dur, hein. Ouais, c'est... Oh là 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 là. Nous devons continuer. Allez. Montre un peu plus ce qui se passe vers le haut, là, que les gens puissent voir. Ah bah si, en plus, faut que j'essaie de montrer ce que... Ah oui, non, mais c'est télévisuel avant tout, mais... On est là pour le show. Alors, je sais pas du tout si je prends les sorts dans le bon sens, par contre, ça, c'est un peu un problème. Est-ce qu'il y a du son du jeu? Oui, il y a du son du jeu. Moi, je l'entends pas. Ah, tu ne l'entends pas, ça? Moi, je l'entends dans mon casque. Bah oui, mais moi, j'ai pas de casque. Ah si, j'en avais un de foot, mais... Oh oui. Oh, vas-y, oui. Dive là, dive là. Non, t'es ouf. Oh, mais t'aurais pu, mec. Mais que dalle, y'a plus de bibi. Mais toi, t'es trop... T'aurais pu. Elle a fait les deux, là. Ah non, peut-être pas les deux. Alors lui, il revient, genre, comme un show. Ah bah, j'ai plus... Attends, mon sort. Il est où, mon sort? Avec célérité. Ouh, le sort. Ouh là là, le Warwick, il est comme zéro. Vas-y, focus. Alors, j'ai un sort, moi. Ah oui, bien joué encore, elle immobilise. Elle immobilise les bibis, ouais. Oh là là. Vas-y. Bourrine. Oui. Oui. Oh, bien joué, Plax, mec. Oh là t'as là. T'as vu, j'ai activé mon... Ouais, le A, je l'active et ça, c'est plus puissant, mais que contre des ennemis, des vrais ennemis, tu vois, pas des bibis. Ouais. Alors, attends, elle, on va se la faire vite fait. Et Graves, il est mal, là. Va pas sous la tour, fais pas le fou. Merci, coach. Oui, coach. Coach Kerr. Oh, elle a eu chaud, elle a vu que je balançais le sang là. Oh, elle a bien esquivé. Joué. Elle m'a immobilisé. Il y a 1-0 grâce à Plax. Et moi j'ai envie de dire, what the fuck. Plax qui domine la game. Mais non, mais c'est habituel, mec, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça. C'est comme si dans notre team, l'élément faible. C'était toi. Ouais. Mais ça craint, hein. Par contre, là j'ai plus de magie, donc là ça va pas le faire. Ça te fait chier d'être le plus mauvais, hein? Non. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Avec célérité. Allez, une volée de flèches et il fait moins le malin. Ah, les volées de flèches, mon gars, mais ça fait tellement mal. T'as vu comme... Dès que j'approche, t'as vu? Qu'est-ce qu'il fait, le con? Ouais. Bah, il fuit. T'as vu ça un peu? Mm. Bon, allez, je vais back un peu, je vais aller m'acheter des Et tu vois, en CM2, bah, je voulais sortir avec la petite Sophie. C'est vrai? Ouais, bah, j'étais le plus mauvais pour la drague. On avait rien à foutre de moi. De toute l'année, elle m'a pas vu, et pourtant, j'étais assis à côté d'elle. Est-ce que c'est... J'aimerais bien savoir si c'est une histoire vraie. Tu me le diras après. Ouais, je te le dirai après si c'est une histoire vraie. Peut-être pas, peut-être bien. Alors attends. D'ailleurs, objets... Donc là j'ai pris des bottes, attends. Soyons sérieux deux secondes. Donc là je vais prendre le sceptre vampirique, j'aime bien ça, parce que... Je peux pas acheter tout de suite. D'accord. Ok, go. T'as 1-0, mec. Et qui fait le kill? Toi. Eh ouais. Plax. Plax de Kerry Plax. Ah bah tiens, Plax le Powa. On a buté encore le Warwick. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer des invitations.
Nomination pour un ami. Alors, les invitations pour un ami, il faut expliquer qu'en fait, on en reçoit beaucoup. Ouais, on comprend pas trop pourquoi. Non, alors, je sais que vous voulez. En fait, non, les gens voulaient nous aider. Avec nous, ouais, ils disent ouais, on va les aider et tout. Et ça, c'est vraiment. Enfin, franchement, c'est... On, ouais, on apprécie nous, ça vraiment. Nous touche. Mais on peut sauf pas que... les accepter en fait pour une simple et bonne raison, et je vais vous la donner. C'est qu'en fait, dans notre liste d'amis, on ne connaît même pas nos amis. C'est ça, on sait pas qui mais c'est. Mais oui, non, mais c'est on ça, a Alpha, on a tout le monde, mais on sait pas. Mais l'autre jour, Alpha, il me dit ouais, vas-y, viens, joue, t'es dans ma liste d'amis. C'est quoi ton nom? Mais c'est quoi ton nom? Donc, si on invite tout le monde, eh ben, on se sent plus, tout simplement. Bah, oui, c'est vrai. C'est pas pour être méchant, c'est juste que... Non, voilà, c'est pas pour faire nos stars, on n'est pas des Justin Bieber. On n'est pas des noix, on n'est pas des chips, on est juste... Oui, voilà, par exemple. On n'est ni des noix ni des chips, tu vois, on est juste des espèces de nuls à LOL. Elle m'a fait perdre beaucoup de vie, cette pute. Cette saloperie. Ok. Tu vois, moi je suis... Allez, bim, quand toi t'as volé de flèche, tu vois, allez. Des fois, attention. Oula, le Graves il est chaud. Hein. Des fois j'oublie juste de tirer. Ah, mais il est que niveau 3 le Warwick. Mais il est... Alors le Warwick c'est noob. Hein. Bah il est en difficulté depuis le début de la game. Hein. On le sent. Faut dire que il est pas aidé avec la compo qu'il est en face de lui. Hop. Oh là là, ce qu'on lui met au Warwick là. Ouais. Et dis donc, Plax, on te retrouve tous les jeudis toi sur Gaming TV dans une émission qui s'appelle Memory Card. C'est vrai. Ça aussi, c'est de la pub qui n'est pas. Faudrait que tu viennes un jour. Ça dépend, est-ce qu'il y a des demoiselles qui viennent Ouais, quand il y aura une fille, je te dirai. C'est pas souvent. Hein. Okay, on a un peu du mal à les faire venir, je t'avoue. Très bien. Même si c'est Vanjie. Hein. Oh. Non, parce que. Ça dépend Vanjie... si elle monte ses tétons. Vanjie, quand elle plonge, elle monte un téton, alors. Enfin bref. Nous écartons pas les sujets. Mais pourquoi elle a mis en mode bande de pièces cette conne? Mais oh, elle parle pas comme ça, ça tombe et elle nous regarde. Ça me peu importe. Eh ben, peut-être qu'elle avait envie de laisser. Attention, ça devient tendu là. Et c'est comme Sophie Marceau au Festival de Cannes. Mais... Quoi, elle avait. Bah, elle avait montré le paquet. Hein. Elle avait sorti, ah bon, elle avait sorti un sein, elle avait dit tenez. Ce jeu là. Et en fait, c'est là que tu te posais la question, mais pourquoi avait-elle mis une robe comme ça? Oh, j'ai balancé mon ulti. Oh, vas-y là, il fallait taper là. Non, mais j'ai plus assez dit. Bon, arrête, oulala. Regarde ce que je lui ai mis, oulala, le Warwick qui prend trop cher. Bah oui, mais il fallait conclure là. Regarde là, tu lui envoies la béchamel là, dans les dents. Allez, on la tue. Oh, regarde mon gars, mais franchement, Ashe elle est vraiment puissante hein, parce qu'il on a aucun qui fait le kéké quoi. Dès qu'ils approchent, c'est la sanction directe. Alors, je parlais bien de béchamel, hein. J'ai aucun sens caché là. T'inquiète pas. Je pense que tout le monde a compris. Oui, oui. J'espère que vous avez compris hein. Allez, on tape la tour. Allez, bim, on fait tomber la Vas-y, tour. Vas-y, fais tomber la tour, fais tomber. Oh mec, mais comment on domine notre lane. Mais c'est impressionnant. T'as vu? T'as jamais vu des gens jouer aussi bien? Ben si, je regarde la saison 3 sur Gaming TV tous les samedis et dimanches avec toi, Chips et Noir. Ouais. T'as vu cette pub non dissimulée? Ouais. Elle était subtile, celle-là. Hein. Ok. Le but, c'est d'en placer le plus possible, voilà. Ok. Voilà. Kerr, c'est une pute à pub, je vous préviens. C'est comme les hommes... Tu sens bon là, c'est Cajoline ta lessive. Ouais. Cajoline, 1,95€. Je crois que c'est un sweat qui a traîné pendant 2-3 semaines sur mon sol en fait, je crois. Oh, putain, c'est vrai que tu pues, mec. Mais non, t'es con. Non, tu pues un peu. Bah, mais c'est pas ça. Non, c'est non, pour casser le côté sex appeal de Plax. Parce qu'il faut quand même reconnaître que dans le duo, le beau gosse, c'est moi. Ouais, c'est vrai. Toi, t'es où? Putain, et moi, je t'écoute, je dis ouais, ok, ouais. Oula, non, j'ai rien contre les roues et les rousses. Les rousses. Alors cours Plax alors que tu vas mourir. Ah putain mec, j'ai eu tellement chaud. Oh là mais là. Tu es assez mauvais, je dois le dire. Ouais, j'ai eu trop chaud. Regarde, j'étais pas loin de crever. Hein. Alors là, il faut jamais se taper là parce que s'il y a un mec qui arrive. Non mais je sais, regarde. Sait, boum, mais regarde, ils sont 1, 2, 1, 2 et 1 là. Ouais, t'es en train de me dire que t'as compté. Ils jouent pas à 6, bah ouais. Bah vous voyez, moi j'aurais pas compté. Et du coup, j'aurais eu peur. Alors qu'est-ce que tu prends après? Je prends les jambières de. Je tape ça, jambes. Je prendrai mon. Non, prends le manoir. Ah, attends, il me manque 3 pièces. Ok, bien. Ah, bien joué. Allez. T'as vu comment je calcule bien? Je suis un peu prof de maths aussi. Ouais, ça, c'est la grande blague de Yann Cédric. Yann le CM. Yann le CM. Et qui arrête pas de dire que. Je pense toujours que je suis prof de maths. C'est drôle, elle est drôle. Alors que t'es géologue. Alors que. Non, plus. C'est quoi? Je suis animateur jeux vidéo, mec, je vis de ça. Ah, mais moi, Icar, tous les jeudis. Sur Et t'as vu quand même, je pub tout le monde, ça. C'est vrai, c'est vrai. Parce que j'aurais pu dire, ceci n'est pas la physique, tous les lundis à 19h. J'aurais pu dire Podcraft aussi. J'aurais pu dire également que j'étais au club échangiste. De Louan-Cuiseau. De Louan-Cuiseau. Il y a un club échangiste, ça? J'en sais rien, mais. Alors, si vous êtes de Louan-Cuiseau, eh ben, n'hésitez pas à nous dire s'il y a un club échangiste.
balancez dans les commentaires. N'hésitez pas à nous le dire. Ça nous intéresse. C'est fou ce qu'on dit comme connerie la nuit. Non, non, ça va. Attends, mais en fait, je sais. Oh non, mais. Ah, je crois que c'était moi, putain. Tu crois qu'on est comme ça, quoi? Quoi? Je crois qu'on dit autant de conneries, quoi. Non. Moi, je suis toujours intelligent quand je parle à une fille. Ah, je crois que je me la tape, elle, ou quoi? Si c'est ça que tu dis aux filles. Ouais. Tu crois que je peux. Eh, mademoiselle! Non, non. Alors, Oh, le Warwick qui va me sauter dessus. Oh là là. Oh, là, t'as vu le truc qu'il allait m'avoir. Oh, je l'ai fait. Par contre, je m'occupe beaucoup trop de tuer les. C'est un boom. Bien joué. Alors, par contre, au niveau du creep, c'est pas terrible. Non. Bah, tu sais que j'ai vu une game des FNA. Attends, c'est qui? Je sais plus c'est qui. Mais c'est XPK, bah, des Fnatic, qui avait plus de 400 creep mec dans une game. Sérieux? Ouais. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de dépasser. Si, moi, j'ai déjà fait 400. Mais c'était sur 5 games aussi. C'était cumulé, ouais. Ouais, ouais, c'était cumulé. Morgana, on l'a pas tué, hein? Encore. Non, pas encore. Elle est solide. Est-ce que ça t'arrive que des fois tu saches même plus où est ta souris au milieu de tout ce tas de. Bah, moi, elle est toujours sur le tapis de souris. Oui, j'ai eu tous les creeps là, yes. Bien, yes. Allez. Yes, t'as été égoïste envers ton ami. Mais attends, il les a depuis tout à l'heure. Et pourquoi tu fais pas de mon ulti, hein? Parce que j'ai plus assez de magie et il me faut de la mana pour faire. Bah regarde, tu peux le faire là, il est pop. Boum ce qu'il a bien joué, bien joué, mais quel talent. Je crois que c'était juste pas placé au bon moment en fait. Mais ça quel talent. Ça va rien le placer maintenant. Et t'as pris un niveau. Mais ça sert à rien de cliquer sur les 8 bits, les gens me parlent. Au dernier. Ça c'est chiant. C'est où mais il me parle derrière avec Skype, tant pis. On entendra des bubup, bubup. Ah non mec, il faut couper ça. Ah, mais je peux pas aller sur Skype là. Pourquoi? Parce que faut pas que vous quittez ma game. Ouais, j'espère que tu vas pas te faire flou, hein, sinon les viewers vont être pas contents, ils vont le mettre. Si ça vous gêne, n'hésitez pas à insulter Plaque dans les commentaires. Et oui, Graves qui voilà, Graves qui se suicide. Bah, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de plus pour l'aider? Je ne sais pas. En tout cas, là tu as été très passif et je suis assez déçu. Je pensais que tu te sacrifierais pour ton équipe. Bah, ça sert à rien de mourir avec lui, c'est juste pour aller crever à deux. C'est si t'as cette mentalité, quand moi je charge trois mecs tout seul, bah, sous oui. une tour, bah, exactement, mais que et que tu viens pas m'aider, et ben franchement, et tu vas mourir. Et voilà. Et là, c'est la game. Oh, j'ai réussi à me. Ah, il va essayer de me choper. T'as de la chance. Ah, il va essayer de me choper par là-bas. Et mec, les épauliettes. Les épauliers. Mais en fait, tu me gênes, je suis carrément pas devant mon écran, j'arrive pas à jouer. C'est horrible, les épauliers. Mais non, c'est trop bien. Ah non, mais j'ai super mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai même mal aux genoux, je sais même pas comment ça se fait que. 2 kilos! T'as mis 2 kilos sur mes épaules, mec, mais tu déconnes ou quoi? Le casque qui fait 3, je crois. 3 kilos sur ma tête! Non, mais t'es... ça fait 5 kilos tout ça. Putain, mais c'est que tu rigoles pas, mec, avec le calcul, toi aussi. Alors attends. Jambière, je les ai eu, l'âme d'infini maintenant. L'âme d'infini. Eh, je peux mettre mon verre sur ta feuille des impôts là? Ouais, vas-y. Tu sais que j'allais le payer encore et j'ai pas entendu. T'as une des impôts. Putain, mec, 1500 euros. Comment? Ah non, 505 euros, c'est quoi? Bah, c'est le type. Bon, on s'en fout, t'es pas obligé de raconter à tout le monde comment je paye des impôts. Et comment ça se fait que tu payes autant? Bah, parce qu'ils ont fait tomber une tourelle ou quoi? Eh, tu sais que j'ai pris un PV aujourd'hui. Ah bon? Ouais, on est allé bosser. Vas-y. C'est vraiment dommage. Eh, je suis le seul prof qui veut aller bosser tellement vite qu'il prend un PV sur la route. Pourquoi t'as roulé à combien? Dis-nous un peu. 63 au lieu de 50 dans un village. Que t'aurais pu écraser des enfants. Ouais. Non. Oh, mais lui il est trop fort. Hey, mais le... Non, je fais attention. En fait, c'était pas vraiment un village. Hein. Je tiens à préciser à tous ceux qui ont peur, c'était pas vraiment un village. C'était entre deux villages. Et c'était une zone à 50. Allez savoir pourquoi. Alors que Poppy, Oula, il y a du team fight là. Qu'est-ce ah se passe oui, la magnifique prise de team fight de l'équipe de Plaque ça. Alors qu'il y a la Morgana. Oh, je la ralentis, Comment ça doit être super compliqué de caster une game. Quand même. Attends, regarde, je vais la faire. Attends, je vais balancer un pur ulti là. Vas-y, tu l'as, oui. Oh non. Oh la vache, oh, j'hallucine. Puis t'as pas ton jump. J'hallucine. Putain, j'aurais trop pu me la faire là. Attends, mais elle avait plus de vie quoi. Oh là là. Ça, c'est vraiment le truc tellement qui... mauvais. J'utilise toute ma mana, tout ça pour même pas la tuer. Ouais, je disais, ça va être super compliqué de commenter une game de professionnel. Comme le font Chips et Noah tous les samedis et les dimanches. Ce serait marrant. Sur Game TV lors de la saison 3. Juste pour rigoler. Et toi, ils t'ont dit qu'ils te payaient combien à chaque fois que tu tuais dans la vidéo? Moi, ils m'ont dit 25 euros à chaque fois. Un paquet de Haribo, moi, je crois. Un paquet de Haribo, moi, j'ai demandé. Alors que Poppy te charge. Ouais, franchement, elle me fait juste rigoler. Non, on rigole sur la pub, les amis. Ne vous inquiétez pas. Ne nous détestez pas, on vend. C'est juste l'humour à répétition de. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu trouves que j'ai un humour à répétition? Pas du tout. Qu'est-ce qui court à ce jet?
Est-ce qu'il court et se jette? Ouais. J'espère que ça va être marrant, mec, parce que j'en sais rien. C'est une courgette. Ah, c'est drôle. C'est cool, hein. Il y a un ennemi là-dedans. Ah, ouais. J'aime bien, moi, cette blague. C'est la seule que je connaisse. Ça fait pas rigoler, mais les blagues que je connais qui me font rigoler... Qui est pas soit illégale, soit immorale. Moi, celles qui me font rigoler, je peux pas les dire. Pourquoi? Parce que ça se dit pas, c'est tout. Est-ce que t'as des blagues sur les roues? Non, j'en ai pas, t'en as, toi? Non. Ok. C'est pas drôle? Bah ouais. Un roux. C'est une couleur de cheveux comme les autres? On rigole, hein, s'il y a des gens qui nous regardent et qui sont... Des pauvres roux qui nous regardent. Oui, vous inquiétez pas, les gars. En plus, ma copine est roux. C'est vrai. Comment tu sais, Panard? Parce qu'il n'y a plus de la chatte. Mais c'est quoi ce truc que tu balances? C'est gratuit, c'est comme ça. On balance pas ça en VOD, mec. Bah si, on a le droit. Oh bah non. T'as dit des gros mots tout à l'heure, moi aussi je viens de le dire. Personne l'a vu, c'était subliminal. Oui, mais est-ce que je dis que moi que ta copine n'a plus de la chatte? Non, parce que c'est pas vrai. Et tu dis que la vérité, uniquement c'est vrai, la vérité. C'est pas vrai. Ah, joli. J'ai... Est-ce que je te rappelle que je suis en pleine game en fait? Oh putain, cette VOD part en couille. Oh putain, mais j'ai tellement chaud, mec. Regarde comme je suis tranquille. Regarde sur mon front. Arrête de te battre là, regarde mon front. Non, attends. Mais tu pourrais regarder mon front au lieu de te battre. Là, je cours à côté d'eux, on se fait un... Mec, je transpire à cause de ton armure de footballeur américain. Je vous rappelle que c'est la VOD spéciale. Regarde, c'était ce débile de Warwick qui nous court après. Après, il se rend compte que. T'as pop les mobs. Et ils sont en train d'attaquer Graves qui est dans la merde. Il est con ce gars. Le bad move. Il est con et en plus tu vas lui ninja, vas-y, ninja lui, vas-y, montre que c'est ton patron, vas-y. Prends lui son mob. Ah merde, il t'a eu. J'ai toujours qu'un seul kill, mais c'est honteux ça, je devrais en avoir 27 depuis tout à l'heure avec toutes les bonnes actions que je oh fais. Oh là là, bah c'est clair. Allez, on back. Oula, qu'est-ce qui se passe au mid là? Moi j'aime bien les mecs qui spam, tu sais, en te montrant des zones, tu comprends pas trop pourquoi ils te les montrent. C'est pas si bon que tu ailles. Ouais, mais moi j'en fais pas confiance. Je fais confiance qu'à mon skill légendaire. Allez, go! T'as jamais eu confiance, quoi? Non. Allez, vas-y, montre-nous. Elle se débrouille très bien toute seule, regarde, elle va encore tuer. Oh, bien joué. Ouh! Oh, dommage. C'est dommage. Regarde, lance mon ulti. Oui! J'ai touché. Bien joué! C'est complètement l'aveugle. Oh, en plus, je l'ai stun carrément trop longtemps, quoi. Bien joué! Ah, tu vas le tuer? Oui! Oh non, tu t'es volé mon kill! Tu t'es fait tellement voler le kill, tu te sens mal là? Oui, un peu. J'ai balancé toute ma mana sur un mec et c'est même pas moi qui le tue, quoi. C'est ça, mec. Eh, tu joues bien, hein. Eh, dis donc, la VO2, c'est moi qui l'ai joué et toi qui vas me coacher, ça va être ok. Hein. Ouais, ça, on va pas rigoler pareil. Hein. Ouais, moi, quand je prends Miss Fortune, j'assure. Je peux vous assurer, les amis, j'assure sur Miss Fortune. On fait tomber la tourelle, mais ils vont faire du backdoor quelque part, hein, c'est sûr. Ah oui, il y a Warwick là, qui va faire du backdoor. Un petit salaud. Je sais jamais s'il faut retourner pour les empêcher de faire du backdoor ou. Bah, ça dépend si t'as envie de gagner ou pas, quoi. Ouais, non, mais des fois, c'est ça vaut le coup de pousser à fond aussi. Oui. J'arrive pas à tuer Billy là. J'en reviens pas de ce que t'as dit, quoi. On en parlera après. Parce que... Il y aura des explications sévères là, j'ai l'impression. Tu vas voir ça. Mais regardera pas la vidéo, c'est tout. Mais t'en sais rien. Ouais, regarde tout ce que je fais. Mec, c'était carrément en mode random ce que j'ai balancé. Putain, je vais devoir me justifier maintenant. Ah tiens, j'ai des sorts en fait, peut-être que je l'ai... Eh ben, si vous trouvez que c'était déplacé dans les... Oui, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'étais à court de... Et si vous voulez que je lapide plaque dans la prochaine VOD, à coup de marteau, par exemple. Est-ce que je pourrais te casser juste 2-3 phalanges, par principe? Par principe, je suis d'accord. J'accepte la sentence. Oh, vas-y, bien. Oh, non, c'est pas moi qui l'ai eu même encore. Qu'est-ce que t'es mauvais. Mais ben, en tout cas, vous dominez cette partie. Hein. Un peu. Mais moi, je tue personne, ça, par contre, ça me dérange. C'est pas grave. Dans les équipes, il y a des éléments forts, il y en a d'autres qui sont plus moins forts. Oui, mais immobilisé. Elle a arrêté d'immobiliser les mobs, elle préfère... Elle a compris qu'il fallait immobiliser des vrais joueurs. Mais attends, elle est passée au milieu de mes flèches, là. C'est une blague ou quoi? Lui, mec, il est trop fort, franchement. Mais pourquoi tu tapes pas la tour, là? Ils sont tous en train de taper. Ah ouais, je sais pas, je t'en train de me dire que je back. Allez, vas-y, balance des flèches, là. Ah, cool, je me fais focus par la tour. C'est quoi le sort E? C'est, ça lance une flèche de reconnaissance à distance. Tu vois? Non, tu rentres pas. Je vais te le faire, regarde. Pourquoi je comprends pas ça? Là, ça envoie ça, et hop, on voit ce qui se passe. Mais là, c'est inutile, parce qu'en fait, il y a déjà des... Mais là, il y avait la vue. Il y avait déjà la vision, là.
C'est un peu comme un scan, tu vois. Ah, ok. Tu vois, si je rapporte ça... Oh là là, les mecs, mais... Non, mais on les voulait massacrer, là. Mais pourquoi, moi, quand je joue, je tombe toujours avec des nuls et on gagne jamais? Parce que les bons tombent avec les bons, je crois que c'est comme ça. Ah, c'est la sélection naturelle. On peut appeler... Ah non, salaud. Ah, il vous a bien eu, là. Il est arrivé dans votre dos. Et là, il va mourir. Mais il va tellement mourir. Rise. Yes, c'est moi. Ah, enfin. Ah, voilà. C'est un peu un coup de chance. Alors là, c'est du vol. Hein. Non, toi, c'est moi qui lui ai mis la première volée de flèche. Tout vu que c'était Zinzao qui avait fait le travail. Personne n'a rien du tout. Pourquoi tu spam comme ça? Je sais pas, parce que je suis habitué à StarCraft. Avec mon niveau légendaire de StarCraft. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver toutes les semaines sur Lost in HOTS. Oui, je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est une VOD sur HOTS. Donc, Heart of the Swarm, l'extension de StarCraft 2. Où on découvre ça. Et donc, quand le jeu va sortir, en plus, on aura des invités avec nous. Donc, c'est méga cool. T'as déjà t'as déjà des noms d'invités? J'ai pensé à Hulk Hogan. C'est pas mal. Barack Obama. Et on se fait un 4v4 avec Hulk Hogan et Chuck Norris, mec. Et mon gars, ça en verra trop du lourd, non? Ouais, mais en même temps, si Chuck Norris se fait attaquer sa B2, t'as intérêt à venir le défendre, parce que sinon, tu prends cher. Vous en voulez encore? Bon, allez, on passe par où, là? Continue au mid? Ouais, vas-y, push au mid. Je push au mid, t'as vu? Il connaît cette expression, il l'a dit, il est content. Et regarde, je balance mon ulti complètement gratuit au hasard. J'aime bien faire ça. Allez, ça sert à rien, ouais. Allez, vas-y, ça va toucher quelqu'un, regarde. Mais... Eh non. C'est quoi ce truc? Je sais pas, je trouve ça cool. En plus, bon, en fait, mon ulti, il se recharge assez souvent. Bon, je viens d'utiliser de la mana pour rien, mais... Oui, 90 secondes. Vu qu'il se recharge assez souvent... 90 secondes. Bah ça va, c'est cool, 90 secondes. Et des persos, c'est vachement moins souvent. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il voulait aller là? Attention, il y a Annie qui est là. Annie Cordy. Elle fait zéro peur et je te l'ai déjà dit qu'elle me fait pas peur du tout. Oula, bah, oh là. Tu dois avoir peur. Allez, vas-y, défends Janna. Là, si j'avais mon ulti, ça aurait été cool, mais j'ai fait débile. Et là, vous êtes trois dessus, hein, vous pouvez la tuer. Allez, on l'a ralenti. Si on l'a pas, je t'avouerai que ce serait une espèce de petite défaite quand même. Elle vous a tellement humilié. Oh là, surtout que nous on se fait. Il commence à devenir un peu. Edjana. Voilà, tape le Warby. Vas-y, c'est. Je cours à deux. Mais t'as pas de bottes, mec? Hein? Si, t'as des bottes et tout. Ça se fait que t'as moins. Bah si, parce que c'est comme ça. C'est vas-y, ça, tu t'en fous de Jana, tu l'équipes là. Pense à toi, pense à ta gueule avant. Vas-y, oula, fonce. Il y a du monde, il y a un peu de monde là. Barre-toi. Oh là, t'es mort. Non. Ah si. T'es foutu, mec. Ah, il vient jouer. Oh yes, c'est grâce à elle. Moi je serais mort. Vrai. Pff, j'ai vraiment eu de la chance là. Hein. Ouais. Encore une fois. Vous vous en sortez bien. Hein. Et je suis à 2-0. On a fait 17 kills, donc j'ai pas fait beaucoup de kills quand même pour. Il y a un truc que je me suis posé. Est-ce que tu t'es déjà demandé comme question? À partir de quand ça vaut plus le coup de faire une téléportation à ta base? Parce que t'es trop près et qu'à pied ça ira plus vite. Aucune idée. Faut demander ça. On va faire le test. C'est vrai. Alors ça c'était quoi que j'ai acheté? L'âme d'infini. Ok. Maintenant je lance un petit zèle, parce que ça a l'air cool. Ça a l'air cool. T'es sûr? Tu sais ce que tu fais là? Bien sûr, mais c'est du BO, revisité, essayé des dizaines de fois. Par Plax? Par d'autres gens qui m'ont dit t'inquiète. C'est ça qui ça gère. T'es où? Allez, je suis là. Vas-y, on voit là, ça c'est un sort à la mettre. Mais dans le A. Pourquoi t'as mis en pas plus le A? Quoi? C'est le A que t'as mis en prison. Pourquoi? Bah c'est ça va arriver. Pourquoi? Je sais pas, c'est un sort. Allez, allez, bim. Allez. Oh là là, on leur fait tellement mal. Oh là là, souffrance et agonie, comme dirait des fouilles. Là, je commence à taper assez vite, je commence à faire assez mal. C'est pas mal, là. Je suis que niveau 12, ils sont déjà tous... Oh là là, par contre, en fait, je suis nul par rapport aux autres de ma team, là. Prise de conscience. Monte un peu tes clips. Attends, c'est là. Ouais, t'es un peu à la rue, hein. Un combien? Attention, combien hein? Fais attention, t'as le support qui va t'en taper en termes de creep. Arrête, rigole pas avec ça. Pourquoi? Parce que. Ah, ok, pardon. On rigole pas, les amis, avec ça. On rigole pas avec les creeps. On rigole pas avec les bibis. Ok. Ok. Attends, mais ils font toute la game, mec. J'ai rien besoin de faire en fait. Ouais, je suis juste tombé dans la bonne game, quoi. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on va conclure. Mais c'est pas mal, on sent que tu progresses. Hein. On sent qu'il y a un peu de mieux quand même. Ouais, ouais, mais bon, tu joues énormément. Ah oui, au moins deux games par semaine. Ouais. Oula, par contre là, ils sont beaucoup. Heureusement que je peux les ralentir parce que.
Ouh là là. Oh là là, ce que Poppy va te mettre. Flèche, flèche, flèche. Raté. Ah, trop près de moi. Cours, cours. Va sous la tour. Ouais, la tour pétée. Bah cours à côté de moi, elle est juste contente, regarde. Ouais, allez, on court. Oh là là, mais elle te... Merde, va sous la tour, bouge plus, bouge plus. Vas-y, dépêche-la, dépêche-la. Pourquoi tu balances pas ton outil là-dessus, là? Bien joué. Allez, allez, allez. Oui, tu vas le faire, Plarch, te plaque. Ouais, Plarch, vas-y. Tu vas le faire. Si me la vole. Tu vas... Et voilà. Putain, mais alors ça, ça me fout tellement le seum, mec. Ah là là. C'est là horrible, là. Quoi. C'est horrible. Bon, il y a des choses plus horribles. Il y a des choses plus horribles, c'est vrai. Par contre, mec, faut pas qu'il se barre, là, parce que... J'ai failli me faire prendre angle, ils étaient 3 sur moi, quand même. À part, je ne sais quelle chance, j'ai réussi à m'échapper. 22-5, mais c'est une tôle qu'on leur met, dis-moi. Non, mais j'ai l'impression, hein. T'as vu, ça se passe pas aussi bien quand tu joues avec nous. Souvent, ça se passe mal, mais là, tu vois... Tu crois que je suis un élément... Perturbateur ? Ouais. Je le crois, ouais. Un délicat ? Allez. Hop. Un dernier souffle. Et je commencerai à être bien. Bon, faut vraiment que je fasse des creeps, quand même, parce que là, 76... Votre tourelle a été détruite. Alors que tu t'inquiètes sur le X-Split qui rame. Un petit peu, ouais. Est-ce que ça va marcher vraiment ou pas? Bah, il saute surtout. C'est ça qui est inquiétant. Si ça saute chez vous, les amis, c'est de la faute à Plax. Son ordi est un peu pourri, faut pas le dire. Non, non, tu rigoles. Non, c'est un super ordi. Ordi Baby de VTech. Ouais, c'est ça. Genius 6000 de VTech. Ordi Baby, c'était classe, mec. Ordi Baby, moi, ma soeur avait ça et jouait sur son. Ça défonçait, hein. Ouais, ouais. C'était un peu l'iPod. L'iPad de notre génération. On s'amusait avec un rien. Ah ouais, c'est clair. T'avais genre une Oula. Touche, c'était rouge, c'était et puis t'as l'ordinateur qui disait appuyer sur rouge. Appuie sur la case rouge. Et puis toi t'appuyais, puis ça faisait... Après il disait choisis une image. Ouais, et puis alors, tu choisissais une image, il faisait bravo, tu as choisi une image. Alors que maintenant les gamins, ils ont 5 ans, ils jouent sur iPad, ils sont en train de... Ils vont chercher eux-mêmes les applications. Ils sont sur les applis de bourse. Ils commencent à coder eux-mêmes les applications directement. C'est plus rapide. Oh là là, ça y est, je commence à faire des creeps là. Dès que je deviens plus puissant que mes potes. C'est plus de notre époque tout ça. Non, malheureusement. À notre époque, Pierre Bachet était tendance. Toi, t'es plus vieux que moi quand même. Bon, vas-y, c'est bon. Faut pas le dire. T'as quel âge toi? Moins que toi. Alors, tu veux pas le dire? Non. Je suis déjà trop vieux. Je pense que t'as 25 ans. Ouais, je pense que tu penses bien. Ah. Toi, t'as quel âge? 25. Plus 3. Plus 4. Mais il fallait faire le A. Regarde, regarde. Il faut maximiser le A. Bim. Oh, oh. Une belle flèche en forme d'aigle. Oh. Comment c'est assez puissant quand même. Ah ouais, assez puissant. 94 clips. Ouais. Eh, hein. Normalement, c'est au bout de 4 minutes de jeu qu'il faut avoir 94 clips. 94 creep au bout de combien de temps? 29 minutes. Tu sais qu'il était à 250 XP qu'il à 25 minutes. De... Ah bon? Ouais. Ah mais il faisait que ça. Moi j'ai déjà tué deux personnes. Ouais, c'est énorme. Ouais, et puis bon, c'est XP. Toi t'es prêt. Putain, j'en ai tué que deux quoi. C'est nul, franchement. Je suis déçu. Je suis déçu de pas pouvoir vous montrer plus de kills. Mais pourquoi t'as pu plein de fois sur ta truc? Je sais pas, mec. Ouais, je sais que ça sert à rien, mais. Mais t'as vu, je lui fais. Je prends tous les trucs à sa place, il est deg. Ça sont à combien les autres? Non, il est pas deg. Il est devant toi. Il a 110 creeps le mec. S'en fout, c'est un travail d'équipe. Ah oui, bah, là ça t'arrange. Vas-y, va la tuer. Oui, c'est bien, Plax, c'est bon. Oh super, j'ai lancé mon outil trop tôt. Ça sert à rien. Mais en tout cas, le kill est pour toi, mec. Ah sérieux, c'était moi? Ouais, le troisième kill, bravo. Toutes mes félicitations. Oui, comment se faire focus par la tour? Oh le bâtard. Allez, pas de combo comme ça. Déjà, t'as dit des saloperies dans cette GOV, on va régler ça. Oh là là, attends, on se fait avoir là. Ah, c'est encore moi qui ai eu quelqu'un. Ouais, je suis à 4-0. Ah, qu'est-ce que c'est que j'avais plein de trucs, plein de sorts autour de moi, quoi. Bon, là, c'est bon, là. Je crois que c'est la win. Ça commence à sentir la fin, là. Là, ce moment-là du jeu, combien de temps ils doivent... Ils mettent avant de réapparaître. Oh, bah voilà, ils ont surrender. Alors que. Alors, et c'est là qu'on voit qu'ils n'ont pas le t-shirt de Chips & Wax que vous pouvez acheter sur la boutique eBay de Gaming. Oh là là, non, t'abuses. Parce que ce t-shirt, c'est Never Surrender. C'est vrai. C'est cool. Est-ce que tu peux remettre la cam là?
Est-ce que je peux remettre la cam? Ouais, je peux remettre la cam. Remettre la cam. On fait coucou à la cam pour, attends, pour analyser cette belle victoire. Donc vous voyez, j'ai encore mes épaules quand même. Je il a pas quitté. Mais attends, je peux remettre le casque. Il a pris toute la place sur le... Qu'est-ce que tu vas réussir à le mettre? Ouais, mais putain, ça sert cette connerie. Hein. Après, tu vas dormir avec, t'arriveras plus à l'enlever. Oh putain. Bon, mais c'est une victoire de plus pour moi, mec. C'est une victoire de plus de canard. Exact. Dernière pub. Est-ce que je vais ouvrir le Big B Topless pour faire plaisir aux gens? On l'ouvre? Non, pas, non, 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 ne l'ouvre pas. Okay, tu ça peux, reste perdre, tu peux faire ton boulot, mec. Pour ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont morts pour moi que ça. Easy to win, GG. Allez, on va dire GG. Voilà, GG. Et bon. Écoutez, merci d'avoir suivi cette VOD. J'ai envie de dire belle victoire de Plax. C'était la... Je suis pressé de faire pareil avec toi. C'était la numéro 6, c'était toi. Et la prochaine, normalement, il y a Kilis, on peut le dire. Hein. Je sais pas, t'avances pas trop. C'est, si, si, c'est jamais, ça se passe jamais comme on prévoit. Donc. Avec les femmes? Ouais, avec les femmes en plus sur LoL, c'est non, double arrête, combo. Ouais. Bah non, arrête un peu tes conneries. On difficile va se... à prévoir. Non, non, toutes les femmes de LoL, on vous salue chaleureusement. Chapeau bas. Et bon, là, je peux pas trop. C'est un jeu qui est beaucoup joué par des meufs d'ailleurs, si t'as remarqué. Non, par des femmes. Par des femmes. Parle correctement. Pardon, mais genre du 9-3, c'est pour ça. Ouais, bah t'es pas obligé c'est, de c'est beaucoup de joué par la gente féminine, par les femelles. Mais putain, mec, on parle comme ça des... par les gentes dames de tout horizon. Bah écoutez, on salue aussi les mecs parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de couilles hein, quand même. Ouais. Il y a du. Je... Non, mais faut que tu arrêtes de lancer là-dedans parce que je vais encore dire des gros mots et tu vas m'engueuler. Alors je ne dis plus rien. Oui. Alors on joue, il était tard hein, et on n'avait pas bu. Non. On... Bah la prochaine fois on boira. On sera complètement sous. On fera une partie sous. Non, c'est ça. Si, c'est drôle. Oh non. Non, t'as raison, fais pas ça. C'est nul. On vous remercie et puis on vous souhaite une bien bonne soirée si vous regardez la VOD pendant la soirée. Sinon, bah, si vous la regardez pendant la matinée, on vous souhaite une bien bonne matinée. Je le refais pas, je le refais pas. J'accepte pas de le refaire. Allez, ciao tout le monde, à très bientôt dans Lost in LoL. Et vous pouvez nous suivre sur Ogaming, sur Twitter, SC2Care, sur Facebook, YGCare et Memory Card. Memory Card, Facebook, Twitter, ouais, y a tout, YouTube, il y en a même notre YouTube. Et on a même un profil copain d'avant. Si vous voulez nous rejoindre, ouais, c'est vrai. Et sur PMU.fr aussi. Via DO aussi, ouais, pour le truc professionnel. Et donc vous tapez Care et vous aurez des vidéos où ils se... N'importe quoi, je suis pas là-dessus moi. Mais si, t'es sur Via DO, mec. N'importe quoi. Bah, tu sais pas. Tu m'as mis sur Via DO ? Non, c'est toi qui te l'as fait tout seul. Mais tu t'en souviens pas. Allez, c'est pas grave. Et moi, je t'ai mis sur Adopte un mec. Allez. À très bientôt. Ciao. À plus, ciao tout le monde.